C'est un beau sujet que celui de l'aventure du théâtre populaire que publient aux éditions du Rocher Mélie Puot, Paul Puot et Claude Mossé. Mais c'est au reste une distinction assez récente que celle qui oppose le théâtre civique, le théâtre citoyen, au théâtre de pure fantaisie. À Épidaure, dans la Grèce de Périclès, en Espagne pendant le siècle d'or ou dans l'Angleterre élisabéthaine, le théâtre remplissait naturellement sa double vocation de commentaire et de distraction. Il s'opérait spontanément ce que Stanislavski a appelé la fusion, l'effusion entre la scène et les spectateurs, le théâtre étant par définition un service public. Louis XIV, à sa façon, a poursuivi cette tradition en réinventant les subventions aux gens de théâtre. Mais c'est évidemment le XXe siècle, avec des novateurs comme Antoine, Gémier, Copeau, Chancerel, qui a pensé dans des termes qui sont les nôtres, un théâtre financé par l'État et donc par les citoyens. C'est à l'évidence Jean Villard, celui qu'on appelait le patron, qui a mené le plus loin la réflexion et la pratique sur le sujet avec Avignon et le TNP. Chacun sait qu'il veillait à tout et pas seulement au spectacle. Tout lui paraissait important, la qualité de l'accueil comme celle des sandwichs que l'on proposait avant le lever du rideau ou la mise en scène du salut final. Et comme il avait raison. Jean Villard est mort il y a un quart de siècle, mais son apport demeure si vivant.